atelier, qu'est-ce qui va venir après ce genre d'outils? On s'est bien rendu compte depuis quelque temps, et notamment au lendemain des révolutions arabes, qu'il y avait fondamentalement des modifications dans le périmètre des médias autour de la Méditerranée, et notamment l'apparition très forte du web dans la circulation d'informations au moment des révolutions nous a montré qu'il y avait un vrai boulot à faire pour professionnaliser et pour réfléchir sur les nouvelles pratiques journalistiques aujourd'hui liées aux nouveaux médias. Donc l'idée, c'était d'organiser un colloque très professionnel qui s'adressait à des professionnels très concrets, très pratiques, où on explorait à la fois les nouvelles démarches, les nouveaux outils, les zones de réflexion professionnelle autour de ce que génèrent ces nouveaux médias. Par exemple, effectivement, la question du rapport entre le citoyen et le journaliste et la coproduction d'informations, le fact-checking, des choses comme ça. Et donc, c'était vraiment d'apporter aux journalistes de toute la Méditerranée des outils très concrets pour pouvoir pratiquer un journalisme moderne. C'est aussi un moment formidable de rencontre entre les professionnels. En fait, tout ce qui se passe dans le colloque, ça se passe aussi en marge du colloque, dans les couloirs, dans les allées de l'université, au moment où on déjeune tous ensemble. Et ça permet effectivement de créer du réseau, tout simplement, de créer du lien, d'échanger sur des projets, sur des manières de fonctionner, sur des réalités professionnelles, sur des réalités politiques. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, et je pense que ça va encore se renforcer, c'est le nouveau lien que tisse le web entre le journaliste et le citoyen. Aujourd'hui, sont en train de se mettre en place des espaces de coproduction d'informations. Chacun sa place. Le journaliste, il est là pour traiter l'information. Le citoyen est là aussi pour être un témoin d'actualité et pour la faire circuler. Et ensemble, ils peuvent bâtir des nouveaux liens. L'année 2012 a été un moment fort d'un point de vue des élections. Donc, en quoi les nouveaux médias vont permettre peut-être de travailler autrement sur la question politique, vont permettre de tisser un nouveau lien avec le citoyen, vont permettre de peser autrement sur le débat public. C'est une question qui nous paraissait centrale et qu'on avait envie d'explorer. La pré-révolution n'est pas rose pour les journalistes. Hein. Bilan mitigé dans la Méditerranée et néanmoins pour nous le besoin de mettre en lien tous ces journalistes et d'être plus forts collectivement.